dire que c'est une excellente idée de traverser le golfe de Gascogne en hiver, je ne serais pas jusque-là. C'est un endroit que nous, on ne prend jamais à la légère. Golfe de Gascogne en hiver, je recommande l'extrême prudence. Les nuits sont longues, froides en général, l'eau est froide aussi. Donc c'est quelque chose à prendre extrêmement au sérieux. Une première journée par vent frais dans le golfe de Gascogne. 25 nœuds établis, le bateau est heureux comme un enfant sur un manège. À l'intérieur, c'est un peu moins le bonheur. La mer nerveuse torture nos estomacs encore terriens. Une partie du repas, pourtant calée sur les cardans, prend son envol, aidée d'un coup de gîte complice. Alors, ces premières heures, capitaine ? C'est un enfer. On a le choix entre être dehors et se cailler, ou être dedans et être malade. Pas très glorieuse ces premières 24 heures. Mais on s'y attendait, on était prévenus. Avant notre départ, pendant notre escale à Brest, c'est chez Bernard Stam, skipper de cheminée Poujoula, un habitué du golf, que nous avons pris conseil. Le golfe de Gascogne, c'est un endroit qui est spécial, quoi, qui est comme il y en a certains dans le monde, quoi, et qui regroupe quelques complications ou conjonctions de phénomènes météo et topographie, quoi, je dirais sous-marine, quoi. Il y a les fonds qui remontent très rapidement pour se caler à une centaine de mètres au niveau du plateau continental, et ça peut lever une mer difficile, quoi. Alors me voilà tout à fait rassuré. Pour compléter la visite guidée de Gascogne, simulation de routage pour Loïc avec les outils d'un pro. Ça c'est pour une route, tu as toutes tes 3 heures le vent que tu vas avoir. Voilà, et lui il va chercher avec ta polaire de vitesse, en fonction des longues de vent, il va chercher où est la route la plus courte. Il va falloir que j'emmène ton ordinateur. Ouais. Et si t'as rien à faire la semaine prochaine, tu veux pas venir avec nous carrément? Bah, ça sera plus simple. Pourquoi pas, hein, ce serait sympa. Par contre, là, je pense avoir un souci ici, quoi. Décidément pas facile de trouver des équipiers pour cette traversée. Va savoir pourquoi, le Gascogne au mois de février, ça ne branche pas grand monde. Cet hiver 2012 n'est pas très attirant, particulièrement agité, le début du mois de janvier est balayé par des vents violents. Rendez-vous est pris avec Jean-Yves Bernot, météorologue, pour y voir plus clair sur le système météo le plus favorable à notre départ. Qu'est-ce que ça veut dire en situation propice? Ça veut dire en général une fin de coup de vent, c'est-à-dire on laisse passer le sud-ouest et le front, on attend que le vent de nord-ouest diminue un petit peu derrière le front, et là on s'en va. On s'en va parce qu'on s'attend à ce que derrière le nord-ouest il y ait du vent de l'ouest pas trop fort, et qu'on ait le temps de traverser le golfe de Gascogne avant le prochain tour de manège. Après on peut être chanceux. Et un anticyclone s'installe sur les îles britanniques, sur le nord des îles britanniques, et on a du vent d'est fort en Manche et dans le nord du golfe de Gascogne. C'est du vent d'est, il est froid, il peut être fort, on est à 32-35 nœuds, mais c'est portant. Et dans ce cas-là, si on a une telle situation, il y a une chose qu'il ne faut jamais faire, c'est hésiter une seule seconde. Et quand on a une fenêtre pour partir dans le golfe de Gascogne en hiver, c'est-à-dire un temps maniable, on s'en va. Parce que la prochaine fenêtre, ça peut être dans 3 mois. Alors Loïc est chanceux. Le vent d'un puissant anticyclone le poussera tout au long du Gascogne. Avec une bonne brise nord-nord-est atteignant parfois force 6, c'est toute voile dehors à 5 nœuds et demi de moyenne que Loïc engloutira les 390 milles du Gascogne. Passé Finistéré, quelques heures de pétole, histoire de vérifier que le moteur du bord tourne rond. À la passerelle d'un pétrolier, un plus curieux que les autres vient frapper à notre porte. Ça fait plaisir de voir des petits voiliers qui ont presque des gros culs sur l'eau. Là. Moi aussi un jour, je pense que je changerai de monture. Quelques mots par les ondes, une voix sans visage, mais on se sent proche. Habitants d'un même ailleurs, nous sommes voisins pour quelques heures. Have a good watch. Dans ce monde-là, on ne se souhaite pas une bonne journée, mais un bon quart. Après 8 jours de mer, le charme agit et on s'imagine comme ça toute la vie. La peau et les yeux engourdis de soleil, on laisse le vent s'occuper de la bande-son, les vagues de la mise en image. C'est l'heure. C'est ton quart. Ouais, je dormais depuis 4 secondes.
C'est toujours l'effet que ça fait quand on est réveillé. Passage de relais, on s'échange les armes de l'homme de car. La lampe frontale et l'indispensable minuteur qui marque le tempo des tours de veille sur le pont. On descend sur Agadir. Allez, lève-toi. Il est quelle heure ? Il est minuit. T'as mis de la toile ? Non, j'ai pas remis de toile parce que comme il y a des rafales à 25, j'ai laissé comme c'est. Mais on est sur le bon cap à peu près, quoi. On descend au sud. Au matin du 10e jour de mer, les côtes marocaines se dessinent sur l'horizon. De minuscules barques de pêche annoncent la proximité du port d'Agadir. Pour sa première escale de grand voyageur, Loïc trouvera sa place au pied de la colline, sous la devise de la ville, une immense inscription tracée en lettres blanches : Dieu, la patrie, le roi.